numéro 9 de la team no locking. Avant de faire le voyou sur le parking, assure-toi d'avoir le niveau du backing. Le jour où je crache des Spalding. 27 avril 1993, la sélection zambienne décolle après une escale à Libreville pour rejoindre Abidjan où l'équipe, alors considérée comme une des meilleures sélections africaines, devra jouer le Sénégal. Un match pour se qualifier à la Coupe du Monde 1994 où les Zambiens peuvent croire à une belle performance à atteindre la phase finale pour la première fois. Le match n'aura pas lieu. Alors que plusieurs problèmes sont détectés dans le moteur gauche, l'avion et ses 30 passagers reprennent la route après deux escales. À peine 500 mètres plus loin, le moteur gauche s'enflamme. Dans la panique, le pilote tentera d'éteindre le moteur mais se trompera de côté et éteindra celui de droite. L'avion fera un piqué dans l'océan. Le crash mettra fin à la vie de 30 passagers, dont les 18 joueurs de la sélection zambienne. Un drame qui frappera tout le pays, et surtout deux personnes qui auraient dû se trouver dans cet avion. L'attaquant Kouloucha Boualia, retardé par le PSV, et le milieu d'Anderlecht, Charles Musonda, retenu par son entraîneur. Charles Musonda fait partie de ses talents gâchés. Très jeune, il est découvert par le Cercle de Bruges, et convainc tout le monde lors de son essai. Après une seule année, son coach se voit offrir le poste d'entraîneur d'Anderlecht, une offre qu'il accepte, et emmène dans ses bagages le petit Zambien. Là-bas, Charles écrira les plus belles pages de sa carrière. Milieu défensif, il se démarque par son intelligence et son jeu technique mais simpliste, qui lui ouvrira les portes de top clubs comme la Sampdoria ou la Juventus. Mais Charles refusera ses offres pour plusieurs raisons. La principale étant son physique. Ayant joué blessé à plusieurs reprises, que ce soit pour son pays ou son club, entre 91 et 96, il enchaînera 7 opérations pour soigner son genou, mais ne réussira pas à vaincre totalement le mal. Des ennuis de blessures que les fans de la sélection zambienne verront d'un très mauvais œil. Les gens reconnaîtront son talent, mais verront son grand enchaînement de blessures comme une envie d'éviter la sélection. Au final, Charles arrêtera le foot en D2 allemande et sera nommé entraîneur des jeunes d'Anderlecht des années plus tard. C'est donc naturellement que lorsque ces trois fils se mettent au foot, Anderlecht les fait se développer chez ces jeunes. En 2012, le grand public découvre l'un des trois, Charlie Musonda Junior, lorsque son transfert à Chelsea est annoncé. À cette époque, tous les top clubs d'Europe tentent d'attirer celui qui a 15 ans et est considéré comme un des jeunes les plus prometteurs de sa génération. Chelsea l'accueillera avec ses trois frères chez ces jeunes et les intégrera dans une équipe déjà très prometteuse. Si rapidement leurs trois carrières viennent à se séparer ou à s'arrêter, Charlie continue de rouler sur l'Angleterre avec une belle génération de blues. Mais voyant le manque d'opportunités qu'offre l'équipe première, il part en prêt et rejoint le Betis. Là-bas, il mettra tout le monde d'accord, forçant même la sélection zambienne à tenter sa chance. Mais le clan refusera l'appel. Le Pro Betis se terminera mal avec un changement d'entraîneur qui changera la donne pour Charlie, avec un Poyet qui lui offrira très peu de temps de jeu au vu des résultats. De retour à Chelsea, il effectuera ses débuts avec les Blues et marquera même son premier but avant de se voir de nouveau placardisé, lui offrant un second prêt au Celtic. De nouveau après un début intéressant, il perd sa place et clôturera un nouveau prêt sans avoir réellement totalement convaincu. Son troisième prêt sera celui qui marquera sa carrière. En plein match de préparation, un contact physique déchirera son ligament croisé postérieur. Après quelques mois de récupération, Musonda a pensé pouvoir retrouver les terrains mais finira par ressentir de nouveau des douleurs. Seule solution, une opération risquée avec seulement 20% de chances de réussite, soit 20% de chances de revoir un jour les terrains de foot. Bref, une énorme épreuve dans la jeune carrière du milieu offensif dont la situation rappelle celle qu'a connue son père. Il décidera de combattre ses maux et tout faire pour retrouver le terrain dans les meilleures conditions possibles. Aujourd'hui, 4 ans après sa blessure, Musonda a retrouvé les terrains avec les U23 de Chelsea. Il est un exemple de courage, d'abnégation, de force mentale et prouve que pour l'amour du sport, un homme peut accomplir de grandes choses. Alors quel que soit son niveau, quelle que soit sa future carrière, Charlie Musonda Junior restera une de mes idoles dans ce sport et je compte bien vous parler de lui très souvent dans les prochains mois.